Ça y est ma puce, ta nounou est arrivée. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je viens m'occuper de la gamine, évidemment. Tu peux faire tes bagages et rentrer chez toi. Ah ouais? Tu vas voir mercredi. C'est ça, Enid. Tu ferais mieux de pas te frotter à moi. Au secours, à l'aide! Sauf qui peut! Sophie, où tu vas comme ça? April voulait pas te faire de mal. Je t'en supplie, c'est une gentille fille. Oh, vous devez être nos nouvelles babysitters. On est tellement contentes de vous voir. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Allez, venez! Faites comme chez vous. La cuisine est par là, la chambre est ici et... Bref, vous verrez bien. Ah, c'est vrai, j'ai failli oublier. Voici ma petite April. Bon bah, je dois y aller. À plus tard. Oh, April, on va être les meilleures copines. Ravie de te rencontrer, Nounou Enid. Toi aussi, Nounou Mercredi. C'est une main vivante! Oh, c'est que la chose, ma chérie. Chut, n'aie pas peur, ma puce. Nounou Enid va te protéger. Ne dorlote pas comme ça. Tu veux une pomme, ma chérie? Avec plaisir, Enid. Délicieux et nutritif, n'est-ce pas? On ne va pas pouvoir continuer comme ça, mercredi. Je suis d'accord. Cet endroit est trop petit pour nous deux. Vous pourriez ne pas vous battre, s'il vous plaît? Aide-moi, April. On va rendre ta chambre plus chaleureuse. N'y pense même pas, Enid. Ça le fait pas entre vous deux. Vous pourriez pas être juste gentille? On n'a même pas encore commencé à se disputer. N'est-ce pas, mercredi? En effet, Enid. Hey, et moi alors? Les devoirs vont pas se faire tout seuls. Il est temps de se mettre au boulot. Fais-moi confiance, April. Je suis une pro de la botanique. Prendre soin des fleurs, c'est plutôt marrant, n'est-ce pas? J'ai aussi quelque chose à vous montrer. Erk, ça pue! Éloigne ça de nous, mercredi! Découvrez ma toute dernière invention. Suffit d'ajouter l'ingrédient secret et... Tadam! La magie noire, ça marche à tous les coups. Ah, un squelette! Bah ouais, sans blague. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Burk, c'est trop flippant! Maintenant, on va passer au devoir de littérature. Oh, on doit vraiment lire tout ça? Oh, Roméo et Juliette? J'adore cette histoire. Je vais tout te raconter. Fuyons ensemble, Juliette! Nous serons ensemble pour l'éternité. Ah, ensemble pour toujours, Roméo. Waouh, t'es tellement douée, Enid. Vous vous amusez bien, hein? Oh, Hamlet? J'ai lu ça. Hélas, pauvre Yorick. Oh, laisse tomber. Je vais plutôt faire mon devoir de chimie. J'ai déjà tout préparé pour toi, ma chérie. Installe-toi bien et observe. La chimie, c'est trop cool, non? Waouh, c'est trop joli! Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est juste la plus bonne odeur que t'aies jamais sentie. Regarde un peu! Waouh, t'es incroyable, Nounou Enid! De la chimie, hein? Je peux faire ça aussi. Prenez-en de la graine. On va juste mélanger de la corne de licorne en poudre avec cet adorable petit œil diabolique. Et... Tadam! Oh, je vais te sauver, April! Tiens bon! Le noir, ça se démode jamais. Tu me fais rire, mercredi. J'ai de bonnes nouvelles, les nounous. Va y avoir un spectacle de talent à l'école. Et je vais chanter. April, ma chérie, pitié, arrête. Tu ferais mieux de te boucher les oreilles, mon pote. Bon, April, ça suffit. Oh, mais t'es trop méchante. Faut bien que je m'entraîne. Fais pas la tête, ma chérie. Viens par ici. J'ai une petite surprise pour toi. Pourquoi tu ferais pas plutôt du ruban? Oh, mais c'est trop beau! Oublie ça, April. Viens avec moi. Oh, tu recommences, mercredi? Tu devrais plutôt faire une danse de l'épée. Ça les épatera? Nounou mercredi, t'es trop cool! Donner des armes à une enfant? Je te laisserai pas faire. On s'occupe pas des petites filles comme ça, mercredi. T'es sûre de ça, Enid? Moi, je pense qu'elle aimait bien cette épée. Allez-y, continuez, vous deux. C'est trop cool! Sabre contre ruban. Je me demande qui va gagner. Ça commence à chauffer. Allez-y, les nounous! Wow! Je vais vous aider. Je vais te choper, Enid. Dès que tu seras démêlée, ouais.
Pas de problème. Dis adieu à ton ruban. Waouh, on dirait des confettis. Allez-y, battez-vous. Ça devient de plus en plus tendu. Maintenant, on va faire une petite leçon de cuisine. Enid va nous montrer comment faire des biscuits en pain d'épices. Maintenant, on les saupoudre de farine et on les met au four. T'es douée, April! J'espère que vous passez une horrible soirée, toutes les deux. Coucou, Nounou Mercredi! On fait des cookies? Viens par ici, la chose. J'ai un travail pour toi. C'est l'heure de la mission secrète. Tous les biscuits sont bien plus appétissants en noir. Cuisiner, c'est du gâteau, non? Très bien, maintenant, file! Assure-toi juste de ne laisser aucune preuve derrière toi. On a terminé, Nounou Enid! Maintenant, on augmente la chaleur du four. On forme une super équipe. Tape là! Et Nounou Enid? Il y a un problème, on dirait. C'est toi la chose? Ouais, t'as l'air d'avoir pris un bon coup de chaud. Mercredi, t'as brûlé nos gâteaux! Ils sont fichus, Nounou Enid! Donne-moi ça! Ces cookies étaient trop bidons de toute façon. Mais qu'est-ce que t'as fait, Nounou Mercredi? On va faire un dernier adieu à nos biscuits, April. On n'a jamais voulu que ça se produise ainsi. Reposez en paix. Ah, j'adore les enterrements. Que la farine repose légèrement sur vous. Annie va se faire un joli relooking. Ou du moins, elle va essayer. Ah, mais pourquoi j'y arrive jamais? Oh là là! Bon, d'abord, on va enlever tout ça. Voilà, c'est mieux. Et maintenant? Tiens, tu peux tout prendre. Vous passez un terrible moment, n'est-ce pas? Je veux me joindre à vous. Tu vas complètement détester ce que je vais faire, je te le promets. Regarde pas ça, April! Non? Ah, ça y est! Prépare-toi, April. Viens par là, April. Je vais lui faire un beau maquillage de jeune fille. Pas question, elle sera bien mieux en gothique. Mais lâchez-moi toutes les deux! J'ai pas besoin de votre aide! Est-ce que c'est du rose? Oh, mes sourcils! On n'a pas encore terminé ton looking. Ensuite, on doit trouver une nouvelle tenue pour April. T'aimes bien cette robe rose? Ou peut-être que tu préfères cette robe noire? Tu sais quoi? On va faire un compromis. On va combiner l'obscurité et la clarté. Elle n'est pas parfaite comme ça? Waouh, j'adore! Merci les nounous! Attention ma chérie! Mercredi et moi, on a une surprise pour toi. Je déteste les anniversaires, mais bon, fais comme tu veux, April. Amuse-toi bien, April, c'est ton jour. Ouais! Oh oh! Mercredi, tu peux pas faire ça! Oh, fais pas attention à elle, April. Tiens, tes cadeaux. Merci beaucoup, Nounou Enid. Je ferai n'importe quoi pour toi, ma puce. Mais une autre surprise l'attend. La chose a aussi un petit quelque chose pour April. Oh, c'est trop sympa de ta part! Maintenant, regarde un peu mon cadeau, April. Je suis sûre que tu vas le trouver formidable. Une guillotine? Pourquoi j'aurais besoin de ça? Bah pour jouer avec tes poupées, évidemment. T'es prête? Que le spectacle commence! Qu'on lui coupe la tête! C'est génial, Nounou Mercredi! Je sais. Alors les filles, vous êtes prêtes à danser le disco? Pas question, Enid. Ici, on écoute du rock. Arrêtez de vous battre toutes les deux. J'ai la chanson parfaite pour cette occasion sur mon téléphone. Pas besoin de me remercier. Allez, on danse! Avec plaisir, April. Allez, Mercredi, danse avec nous. Non, y a pas moyen. Hey, qu'est-ce que tu penses de ça, April? Attention, April! Aouh! Je suis tellement désolée, je voulais pas, je t'assure. Fais attention, Nounou Enid. C'est juste que la lune me rend dingue! La chose, viens par ici, on a besoin de musique. On était sur le point de danser, non? C'est parti! Nounou Mercredi est la reine du dance floor ce soir. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Bah, je danse, ça se voit, non? Waouh! Sa choré va devenir virale. Ouais, elle est plutôt douée. Restez pas plantées là, les filles! On est là pour faire la fête! T'es trop cool, Nounou Mercredi! Ouais, t'es trop chou! Hé, pas de câlin!
Oh, et si on jouait ensemble? Allez! Regardez, c'est pas trop cool? Arrête de faire n'importe quoi, la chose! Je sais quoi faire! Tu t'en sors bien, April. Oh, maman appelle! J'espère que tu t'es bien amusée, chérie! Je reviens dans quelques minutes! À toutes, maman! Oh, elle m'a tellement manqué! Oh oh! Mais la maison est en pagaille! C'est nous qui avons fait tout ça? Ouais, moi je trouve que c'est pas trop mal comme ça! On doit ranger tout ça, Nounou Enid! Dépêche, ma chérie! On a encore un peu de temps! Attendez, vous deux! On va avoir besoin de l'aide de la chose pour ça! Allez, vas-y! La chose a une idée plutôt d'enfer! En un clin d'œil, la maison est nettoyée! April, je suis rentrée! Oh là là, t'as l'air différente aujourd'hui! C'est pas tout, regarde un peu ça! Terrifiant, pas vrai? Oh, ma maison, mais qu'est-ce que vous avez fait? J'espère que ça te plaît autant que moi! Désolée! Ça suffit, April! Alors là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase! Plus de nounou à partir de maintenant! Maman, s'il te plaît, pars pas! Je reviens bientôt, mon chéri! Oh, pleure pas, chérie! C'est juste un voyage d'une semaine! Oh, j'ai presque oublié! Dis bonjour à Skyler, ta nouvelle nounou! Molly, viens maintenant! J'ai pas besoin d'une nounou! Je suis pratiquement une adulte! Dépêchez-vous! Elle a pas pu aller bien loin! Ah, je les ai perdus! Eh bien, qu'avons-nous là? Une annonce de nounou? On va devenir les meilleurs amis du monde! Parfait! C'est ma chance de faire profil bas pendant un moment. Bonjour, je suis ici pour l'annonce. On va bien s'amuser ensemble. Ok! Et toi, je garderai un œil sur toi. Oh, mais quelle énorme maison! La gentille nounou le sait. Un délicieux goûter est idéal pour améliorer la mauvaise humeur. J'adore la barbe à papa! Mais une méchante nounou mangera tous tes snacks. Pas mal! J'arrive pas à le croire! Elle a mangé ma barbe à papa! Viens maintenant, ma chérie! Je vais te faire des pancakes! Qu'est-ce qui se passe avec toi? C'était délicieux! C'est l'heure d'un délicieux déjeuner au restaurant avec les nounous. Notre petite Molly a tellement faim. La gentille nounou sait que manger sainement signifie vivre sainement. Mais une méchante nounou sait que manger du fast-food, c'est vraiment amusant! Et c'est ce burger, Molly? Il est délicieux! J'adore les burgers! Et c'est aussi des légumes frais! Et n'oublie pas les frites! L'avion arrive! Les bananes, c'est vraiment bon pour toi! Et n'oublie pas les brocolis! Et voici une pizza pepperoni bien chaude! Je sais pas quoi prendre! Je vais tout prendre! Des frites et des haricots verts! C'est parti! Rince avec du soda! Ou encore mieux, avec du lait! Quel appétit! Oh oh, mon ventre! Je me sens pas très bien! Pas de panique! Vite, aux toilettes! Attends-moi! Allez, on y est presque! Je peux plus le retenir! Reste calme, respire profondément! Aie des pensées calmes! Regarde ce que j'ai emballé, Molly! Oh non, y a pas moyen, jamais! Allez, sois pas gênée, on va le dire à personne! Voilà, bonne fille! Tu vois, ta nounou assure toujours tes arrières! Burk! Bouh, je vais prendre les escaliers! Les cookies sont presque prêts, Molly! Juste un peu de patience! Et maintenant, on ajoute du lait! N'aie pas peur, Molly! Juste comme ça. Il faut toujours cuisiner avec amour. Oh, j'ai tout sali! Pas d'inquiétude, mon rayon de soleil. Ta nounou Skyler va s'en occuper. Et voilà, c'est comme neuf. Et voilà! Oh, tu t'es encore sali? Pas de problème. Je vais laver ça aussi. Merci beaucoup. La 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 la! Quoi? Reste calme, Skyler, reste calme! C'est assez difficile pour notre gentil nounou de rester gentil. Bien joué!
Et puis je lui dis, c'est mon t-shirt, mec! J'en crois pas mes yeux! Donc, c'est ce qui se passe? Hé, hey, Skyler! Tiens, plus de linge pour toi! Merci! Oublie pas cela aussi! Mais... Oh, ok! On verra bien qui aura qui. Elle sait pas à qui elle s'en prend. On va mettre le mode turbo. Ah, ma veste préférée est toute propre maintenant. La fraîcheur de Mountain Breeze. Mais la méchante nounou va avoir une mauvaise surprise. Ah, c'est quoi cette taille? Allez! Tu te moques de moi? On va jouer à cache-cache. 1, 2, 3. Pas de voyeurisme, c'est bon. Peut-être que je devrais me cacher sous le lit? Pas une bonne idée. Peut-être la fenêtre? Non, trop évident. Elle me trouvera jamais dans le placard. Oh oh! Annie, s'il te plaît, sois un amour. Aide-moi à me cacher de Molly. Nope. Quoique, pourquoi pas? Bien sûr, je vais t'aider. Grimpe dans ce sac poubelle. Oh, super, t'es un vrai pote. On dirait que cette méchante nounou a un plan sinistre. 10. Prêt ou pas, j'arrive. Beurk, une vieille chaussette. Je t'ai eu. Je te vois, Skyler. Oh, personne ici non plus. Allez, t'es où, nounou? Oh non, et si elle se faisait kidnapper? Oh, ça a pris du temps. Nounou Annie, la nounou Skyler a disparu. N'importe quoi, on est mieux sans elle. Mais elle était si gentille et si drôle. Je suis désolée pour ta perte. Oh, waouh! Prenez soin de vous. On doit la trouver. On doit la trouver. Ouais, on doit vraiment. Ça caille. Je peux pas le croire. Nounou, je t'ai trouvé. Ah, oh, chérie, je suis trop contente de te voir. Quoi neuf, Skyler? Ah, encore toi? Eh ouais, c'est moi. Quelqu'un t'a rendu triste, chérie? C'est Jack, la brute de l'école. Il se moque encore de moi. Viens ici, ma chérie. Nounou Skyler va tout arranger. Waouh, allez, Molly! Montre-lui à ce mec! Alors, il est où? Ça me démange de le frapper. Il est derrière! Le regarde juste pas dans les yeux. La gentille nounou décide de régler ça pacifiquement. Pourriez-vous, s'il vous plaît, arrêter d'intimider notre douce petite fille? Qu'est-ce que tu dis, hein? Eh ben, bonjour, mon petit mec! Oh oui, on va pas se frotter à cette méchante nounou. Tu vas te rappeler de ce jour pour le restant de ta vie. Ouais, continue de courir, loser! Alors, c'est qui le dur à cuire maintenant? Oh non, Houston, on a un problème! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oups, c'était Skyler! Oh non, c'est un gros malentendu, madame la principale! Je ne veux pas l'entendre! Vous, dans mon bureau, tout de suite! Oh, si vous le dites! Bien fait pour toi, nananananer! Molly adore jouer dehors. Nounou Annie, attrape! Quoi, t'appelles ça un lancer? Je vais te montrer comment vraiment lancer. Oups, c'était le poste de police! Plus de pleurs! Je vais nous sortir d'ici, je le jure! On n'aurait pas dû jouer avec cette balle stupide! Une méchante nounou va pas se laisser faire. Aouh, ça fait mal! Comment puis-je vous aider, madame? La gentille nounou se précipite à la rescousse. Vous pourriez libérer ces deux-là? Pas question, c'est hors de question. Et de toute façon, c'est ma pause déj. Oh, quelle coïncidence! Il se trouve que j'ai apporté des donuts! Un glaçage au chocolat et rempli de crème. Oh, mon préféré! Merci pour votre coopération, officier. Vous êtes super! Sors, Molly! Et toi, tu restes ici pendant un moment. On dirait qu'elle est toujours fâchée à propos de cette histoire de poubelle.
Oh, une idée! Je peux voir ça? Eh, c'est mon donut! Alors va le chercher! C'est simple, non? Va chercher! Je suis un génie! Ah, te voilà mon trésor! Merci pour tout, mais c'est l'heure pour moi de partir! Hé! Hey! Mon précieux! C'est fini pour toi! C'est ce qu'on va voir! J'ai gagné! Wouhou! Ok, le voilà ton stupide bonbon! Hourra, je suis une millionnaire en caramel! Molly, c'est l'heure de te brosser les dents! Non, pas question, je veux pas! Regarde combien de microbes se coincent dans tes dents chaque jour! Tu dois tous les nettoyer, comme ça! Waouh, de si belles dents! Exactement! Allez, ouvre la bouche! Allez, s'il te plaît, Molly, sois une gentille fille! La méchante nounou sait s'y prendre avec les enfants capricieux. C'est Josh? Il vit sous un pont. Et Josh, il se brosse jamais les dents. Regarde! Oh, j'ai compris! Super! Merci pour ton aide, Josh, t'as été génial! Bonne fille, allez, brosse fort! Ah, oh, yes, notre petite Molly travaille dur! C'est parti! C'est qui notre magnifique petite fille? C'est moi! Attends un moment! Vous allez où, monsieur? Et pourquoi vous portez nos affaires? T'as un problème, hein? Viens là, toi! Oh oh! Chérie, t'es un peu trop jeune pour voir ça! Eh bien, eh bien, eh bien! Il avait l'air d'être un type formidable! Bravo! Molly a un A+ pour l'hygiène! La gentille nounou est super protectrice! Je veux pas prendre de casse-croûte! Mais Molly! Attention, la classe! J'espère que vous êtes prêts pour le test d'aujourd'hui. Voyons voir ce qu'on a ici. Waouh, c'est beaucoup! Psst, Molly, je suis là! Nounou Skyler? La première réponse, c'est 2. C'est bon? Super! Allez, on y va! Je me demande comment je dois faire mes ongles. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nos excuses, Madame Wilson. Je suis la nounou de Molly. Et j'étais sur le point de partir. À toutes! Vous pouvez juste faire ça? Tu aurais dû voir ces chaussures, elles sont incroyables! Allez, manger! Le menu d'aujourd'hui est sain et délicieux! Des flocons d'avoine? Dégoûtant! Ah, merci! Encore toi? Je suis trop contente de te voir! Je peux plus faire ça! Ici, une triple portion! Faites spécialement pour notre petite Molly. L'avion arrive! Mais t'es un bébé ou quoi? Elle est nourrie à la cuillère! C'est ça, t'approches pas de moi! Ici, Molly, c'est pour toi. Waouh, trop cute! Mais c'est quoi cette histoire? N'y pense même pas, jeune homme. Pas de bisous jusqu'à ce que tu sois majeur. Ne me laisse plus jamais te voir ici. Elle me traite comme un enfant! Je déteste ça! Salut! T'aimerais une histoire pour t'endormir? Oh! Joyeux anniversaire, Molly! Dépêche-toi d'ouvrir ton cadeau! Ah, qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'autre d'une si gentille nounou? Félicitations, ma chérie! Allez, tu vas devenir grande et forte! C'est quoi cette agitation? Oh non, j'ai complètement oublié! Et voici mon cadeau! Le cadeau d'une méchante nounou, brutale et dangereux. On dirait que Molly l'aime aussi. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Maintenant, fais un vœu! Oh, bonjour, Madame Stewart! Maman, t'es enfin revenue! Oh, tu m'as trop manqué, chérie! Et voilà ton cadeau! On est enfin finalement ensemble! Oh bon, bah on devrait y aller alors. Bye, petite Molly. Alors, dis-moi tout sûr. Oh, un message du patron. Oh chérie, je crois que je dois repartir. Mais ne t'inquiète pas, je serai bientôt de retour. Mais maman! Tu me manques! Et on est de retour! Tu pensais vraiment qu'on allait te laisser tranquille? On a encore tellement de trucs excitants à faire ensemble.
les parents de Lily partent en voyage d'affaires. Ils donnent quelques tâches importantes à Candice, la babysitter. La nourrir, la changer, jouer avec elle. Ouais, bien sûr. Habiller qui et jouer avec quoi? Elle s'en fiche. Elle est plus intéressée par son téléphone. Faut que je like plein de posts. Oh, rester avec Candice, ce sera pas facile pour Lily. Une bonne babysitter réagirait différemment. Emily va écrire chacun de leurs mots. C'est important de ne rien oublier. Allergies, hobbies, routine quotidienne, il y a plein de trucs à retenir. Apparemment, rester avec Emily, ce sera super amusant. Une bonne babysitter doit divertir l'enfant qu'elle garde. Et même faire du ménage peut devenir un jeu intéressant. Lily est heureuse d'aider Emily dans la cuisine. Sa nounou lui donne un bon exemple. Et puis, elles doivent aussi nettoyer les autres pièces ensemble. Pastoche! Lily est la meilleure assistante qu'on puisse avoir. Mais Candice n'a pas l'habitude de faire le ménage. Elle aime pas travailler. Lily peut s'en occuper. Elle doit apprendre à être indépendante. Il n'y a rien de mieux qu'un enfant qui bosse. Et si elle refuse, tu peux la faire chanter. Elle ferait n'importe quoi pour avoir sa peluche préférée. Être sans ses parents, ça va être trop dur pour Lily. Emily a parfois besoin de se reposer. Mais comme Lily s'ennuie, elle va jouer un peu avec elle. Cool! C'est un vrai spectacle de peluche. Emily est une babysitter trop drôle. Mais Candice peut pas poser son téléphone une seconde. Depuis ce matin, elle fait que scroller sur son téléphone. Hey, lâche-moi! Tiens, prends le téléphone. Joue à un jeu. C'est pas vraiment bon ça pour les enfants. Mais Candice s'en fiche totalement. Et Lily est contente. Elle pourrait pas faire ça avec ses parents. C'est pas parce que tes parents sont partis que tu dois pas réviser. Heureusement qu'Emily est là. Elle sait tellement bien expliquer les maths. Regarde, si tu ajoutes un crayon à deux crayons... Combien t'en as? Eh oui, 3. Et s'il y en a un de plus? 4. Tu vois, c'est pas dur. Génial! Elles ont fait tous les devoirs en quelques minutes seulement. Mais Candice ne se soucie pas d'aider Lily du tout. Les devoirs, c'est tellement naze! Je suis trop crevée aujourd'hui de toute façon. Oh bah, bon ok, si la babysitter veut pas aider Lily. Elle viendra elle-même jusqu'à sa nounou. Oh, c'est une enfant tellement pénible! Chérie, tiens, les solutions! Copie juste les bonnes réponses. Lily va forcément tout résoudre correctement, mais elle apprendra rien du tout. C'est l'heure de prendre le goûter! Des céréales avec du lait frais. Une bonne babysitter veillera à ce que l'enfant mange à l'heure des repas. Mais une mauvaise
Elisabeth se fiche de ce genre de routine. Elle passe un appel important. Et le déjeuner ira nulle part de toute façon, ça peut attendre. Oh, elle a confondu le lait avec du coca? Normal, elle est sur pilote automatique. Non, Lily boira pas ça. Ses parents disent que le soda, c'est mauvais pour la santé. Candice s'attendait pas à cette réaction. Et maintenant, on va faire une promenade au grand air. Oups! Tout ira toujours bien avec Emily. Elle connaît toutes sortes de moyens pour soulager la douleur. Elle est tellement attentionnée! Quelques minutes plus tard, tout le monde est de nouveau content. La mauvaise babysitter, elle, a d'autres plans en tête. L'enfant n'a qu'à gérer ses problèmes toute seule. Elle est tellement agaçante quand elle pleure! Heureusement que j'ai apporté mes AirPods. Et même un casque en plus si elle continue à piquer une crise comme ça. La pauvre Lily! Elle a l'habitude que sa maman la réconforte. Ah, t'as fini de pleurer? Les amis de Lily vont bientôt arriver. Emily prépare sa tenue. La robe doit être parfaite. De belles chaussures, des pinces à cheveux. T'es pas une simple fille, toi, t'es une vraie princesse. Voyons comment Candice va s'acquitter de cette tâche. Y a rien dans le placard. Et y a rien ici non plus. Ah mais oui, j'aurais dû faire la lessive. Tous les vêtements sont au sale. Pantalon, t-shirt, ça fera l'affaire. C'est une enfant, donc dans 5 minutes, tout sera de nouveau sale. Oh, ça rend pas terrible tout ça. Où est-ce que je vais aller avec ça? Dans l'après-midi, on peut aller au parc d'attractions. Être avec Emily, ça promet des moments délicieux et amusants. De la barbe à papa et du pop-corn, ça va être une super journée. Et ensuite, on peut aller voir les canards dans l'étang. Et faire du ménage, bien sûr. C'est parti! Et après le train, on peut aller à la pêche. Belle prise! Tiens, un cadeau pour toi! C'était une journée très chargée! C'est toujours comme ça avec une gentille babysitter. Mais avec Candice, tu peux oublier les activités amusantes. Elle est tombée sur un pote, et maintenant, elle est occupée à lui parler. Ils ont complètement oublié Lily! Au moins, ils vont l'emmener faire du bateau. Ou pas? Les enfants sont pas autorisés, attends ici! La mauvaise babysitter ne se soucie pas du tout de la sécurité de Lily. Lily se retrouve toute seule. Attendre sans bouger? Mission impossible! Il y a plein de trucs intéressants dans ce parc! Candice va devoir la chercher plus tard. Oh, ce jeu de cache-cache va être amusant! Avant d'aller au lit, la gentille babysitter lit toujours un conte de fées. C'est tellement passionnant! Le bébé est déjà en train de bâiller. Et voilà! Quelques minutes, Lily dort déjà. Quel petit ange! Candice a des règles différentes.
Pas de livre ennuyeux avant de dormir. Les contes de fées, c'est pour les enfants. Et Lily, c'est une adulte. Mais sa babysitter peut lui chanter une berceuse. Lily n'est pas super convaincue par sa performance. Elle préférait s'endormir seule dans le noir. Mais Lily ne passera sûrement pas une nuit tranquille ce soir. Car sa babysitter décide d'organiser une soirée. Elle n'a pas envoyé toutes ses invites ce matin pour rien. On dirait que ça va durer un certain temps. Autant dormir ici. La vérité sera révélée que le lendemain, quand les parents rentreront à la maison. Lily va maintenant leur dire à quel point Candice est nulle. Mais elle n'est pas habituée à être critiquée. Elle préfère s'éloigner de la scène du crime. Mais Emily, elle était parfaite. Aucune plainte contre elle. Maman, c'est un ange! Emily reçoit une récompense bien méritée pour son travail. Mais même la meilleure des babysitters peut pas remplacer tes parents. C'est tellement sympa que la famille soit de nouveau réunie.